وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وقدوة العالمين وأطهر الطاهرين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Frères en Islam, Allah تبارك وتعالى il a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens des versets: certes, nous t'avons donné le Kawthar. Alors prie pour ton Seigneur et sacrifie. Certes, celui qui te déteste, c'est lui qui sera coupé. Allah Ta'ala a annoncé qu'il a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le bien de ce monde et de l'au-delà. Et parmi ces biens qu'il lui a spécifiés dans l'au-delà, El Kawthar. Ce bassin qui est plus large, la largesse et la longueur est d'un mois. Il est plus blanc que le lait, plus doux que le miel, tellement il y a de récipients pour en boire et ils sont tellement brillants, c'est comme les étoiles du ciel. Et ce jour-là, les gens auront une soif énorme et il n'y aura que les vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourront en boire, car ceux parmi sa communauté qui prétendaient le suivre et qui l'ont délaissé, qui ont innové, qui ont tourné le dos, qui ne lui ont pas donné sa valeur, qui ne l'ont pas respecté, qui ne l'ont pas défendu, alors ces gens-là, ils arriveront pour s'approcher de ce bassin et les anges se mettront en travers de leur chemin et les empêcheront de passer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ceux-ci font partie de ma communauté, il va les reconnaître aux traces des ablutions. Mais les anges vont dire: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: loin de moi ces gens, loin de moi ces gens, loin de moi ces gens. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette surah qui est courte, qui est une des plus courtes du Coran, il a spécifié à la fin: celui qui te hait, ô Muhammad, celui qui veut te rabaisser, celui qui veut t'humilier, c'est lui qui sera coupé. Tout le bien sera coupé de lui. Sa descendance sera coupée. Dans ce monde et dans l'au-delà, c'est encore pire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait le meilleur des hommes. Et comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le chef des fils d'Adam et sans me vanter. Le jour du jugement dernier, les gens vont aller voir, tellement ils sont dans la détresse, ils vont essayer de trouver quelqu'un juste pour les sortir de ce jour-là. Ils vont se diriger vers tout le monde. Chacun va dire: moi-même, mon âme, mon âme. Ils vont se diriger vers les meilleurs des prophètes. Ils vont se diriger vers Nuh. Ils vont se diriger vers Ibrahim. Ils vont se diriger vers Isa alayhi salam. Et le seul qui pourra répondre par la volonté d'Allah à leur demande, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah tabaraka wa ta'ala va donner la grande intercession. Il va se prosterner, Allah va lui donner des louanges que lui seul connaît. Il va dire: demande, ô Mohammed, lève la tête, demande, tout ce que tu demandes te sera donné, et intercède, ton intercession sera écoutée. Allahu Akbar. C'est lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a purifié de tout manquement en ce monde et qui lui a donné la meilleure place en l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Duha, dit: il jure par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. C'est clair qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a protégé et l'a aimé, car c'était Khalilullah, l'ami intime d'Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr a demandé est-ce que c'était son ami, il a dit: si Allah ne m'avait pas pris comme ami intime, je t'aurais pris comme ami intime. Mais Allah Ta'ala a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Khalil, l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala.
le meilleur des hommes. Et dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala spécifie bien qu'il n'abandonnera jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne l'a pas abandonné dans le passé et qu'il ne l'abandonnera pas, et que tous ceux qui vont lui nuire, alors Allah, c'est lui qui va s'occuper de lui. Naam. Il faut savoir aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tranquillisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous a tranquillisé aussi nos cœurs en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens des versets, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs, c'est-à-dire ceux qui se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala a dit, nous t'avons effectivement défendu contre eux, ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais bientôt ils sauront. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Sois constant dans ta religion. Prosterne-toi, sois constant jusqu'à que te vienne la mort. Et certes, Allah nous a ordonné de faire quoi? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, nous t'avons envoyé au Mohammed en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'honoriez, et que vous reconnaissiez sa dignité, et que vous glorifiez Allah matin et soir. Donc Allah nous a ordonné d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de reconnaître sa dignité, et il a mis en garde ceux qui le délaissent, ceux qui ne défendront pas son honneur et sa sunna, sa tradition, sa religion. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes, si vous ne l'aidez pas, si vous ne voulez pas défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah lui il l'a défendu, il l'a aidé. Quand les mécréants ils l'ont sorti de la Mecque, quand ils étaient deux dans la grotte, et il a dit, certes Allah est avec nous. Dans le moment de la faiblesse, dans le moment où il était seul, dans le moment où personne ne pouvait l'aider, Allah il l'a aidé. Alors ne vous inquiétez pas, si vous délaissez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous délaissez son aide, alors vous ne ferez aucun mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne ferez aucun mal à Allah. Allah est riche, il se passe de l'univers et vous ne lui faites du mal en rien, et c'est Allah qui va se charger de le défendre et de l'aider. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala de dire dans le sens des versets, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Allah Ta'ala lui a ouvert la poitrine pour tout le bien, pour accepter toute la révélation, et lui a enlevé tout le mal, le plus pur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs, pour qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit, Aïcha lui disait, au messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela jusqu'à que ses pieds s'enflaient, se déchiraient, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il dit, est-ce qu'il ne m'appartient pas d'être un serviteur reconnaissant? Et Allah tabaraka wa ta'ala de dire, et il a exalté pour toi ta renommée. Certes, Allah il a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une personne qui veut entrer en islam sans qu'il soit obligé d'attester qu'il n'y a d'une divinité digne d'être adorée sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Il a lié avec l'attestation de foi. On entend son nom dans l'appel à la prière, lié avec le nom d'Allah. On entend son nom dans le deuxième appel. On entend son nom quand on fait les prêches, à n'importe quel moment, dans la prière, à chaque prière, à la fin de la prière, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le salue, on le bénit, ainsi que sa famille. Donc, sachez, mes frères, serviteurs d'Allah, que des gens qui ont essayé de nuire à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a toujours eu. Il y en a eu à son époque, il y en a eu après son époque, il y en a à notre époque. Et Allah s'est chargé de ces gens-là. Nous maintenant, quel est notre devoir? Notre devoir, premièrement, c'est de détester ces gens-là pour Allah. De s'allier pour Allah, de se désavouer pour Allah. D'aimer pour Allah, de détester pour Allah. Ce qui se passe, ça doit nous faire réfléchir.
Ça doit faire réfléchir ceux qui sont encore en train de courir derrière les non-musulmans à vouloir leur ressembler et faire tout comme eux pas à pas. Ceux qui ont honte de montrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leur visage, sur leurs vêtements, sur leur marche, sur leur pratique, sur leurs paroles, sur leurs femmes. Ceux qui se cachent et qui cachent leur islam, qui ont honte, qui ne sont pas fiers de ressembler au meilleur des hommes. Ça, c'est une leçon pour nous. Lève la tête, ô musulmans. Ressemble à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta croyance. Délaisse les innovations. Ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta pratique, dans ton comportement, dans ton physique, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ta maison, dans ton travail. Sois fier de ressembler au meilleur des hommes, l'homme qu'Allah a choisi pour être son messager, l'imam des messagers, pas seulement être son messager. Autre chose, le musulman doit être offusqué à chaque fois que l'on critique n'importe quel prophète parmi les prophètes d'Allah. On ne doit pas accepter, on doit détester, même quand on se moque du prophète Isa, Jésus alayhi salam, comme ils l'ont traduit, ou de Moussa, car ce sont nos prophètes. Et on doit les aimer, et on doit détester les gens qui les rabaissent. Donc notre devoir avant tout, c'est d'apprendre la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mettre en pratique, de la transmettre, de faire en sorte de transmettre la vraie image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les témoignages même de non-musulmans qui n'ont pas accepté l'islam, que c'était le meilleur des hommes. Même Abu Sufyan, quand il a été voir les Byzantins, même s'il était mécréant, il n'a pas pu mentir sur la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la noblesse de son caractère, tellement c'était connu. Même après, quand il le combattait, les koufars de Quraysh, il lui laissait encore ses dépôts dans ses mains, tellement il savait qu'il était digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines, toi, tu mets tes dépôts, ton argent, tu le mets chez ton ennemi, ton plus grand ennemi, tu lui donnes. Alors que les aboiements des chiens ne nous fassent rien. Car un chien qui aboie et les nuages y passent, ça les atteint pas. Bien sûr, on doit détester cela. Et on doit montrer notre mécontentement, mais comme l'islam nous l'a montré. En premièrement, en affirmant encore plus la croyance de l'Wala wal-Bara, de l'alliance et du désaveu pour Allah. Apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? S'allier à Allah, s'allier à son messager, s'allier aux croyants. Et se désavouer de Shaytan, de Satan. Et se désavouer des suiveurs de Satan. Et se désavouer de tous les adorateurs et des suiveurs de Satan et des ennemis d'Allah et de son messager. Deuxièmement, comme on a dit, d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mettre en pratique, de la transmettre. Troisièmement, de pratiquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, de ne pas transgresser des gens innocents. C'est pas celui qui est à gauche, il tape, toi tu tapes celui qui est à droite. Qu'est-ce qui t'a fait celui qui est à droite? Donc, c'est faire le désordre, brûler, tuer, ça c'est pas l'islam. Bien sûr, se défendre, défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chercher l'accusé et s'occuper de le juger, ça c'est la justice, c'est pas la barbarie. Donc, ikhwat al-iman, barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala nous a bien dit, inna kafaynaka al-mustahzin. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, on te suffit, on te protégera contre ceux qui se moquent de toi. Alladhina ja'alu ma'allahi ilahan akhar, fasawfa ya'lamun. Ceux qui ont pris une autre divinité en adoration avec Allah, certes, ils vont savoir. Et on sait certes que ton cœur, ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Alors glorifie le nom de ton Seigneur et fais partie de ceux qui se prosternent longuement et adore ton Seigneur jusqu'à que la mort te vienne. C'est-à-dire, sois constant dans ta pratique, sois constant dans ta religion. فنسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعامل هذا المستهزي وجميع المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يستحقون اللهم عاملهم بما يستحقون اللهم عاملهم بما يستحقون اللهم إن كتبت لهم الهداية والتوبة فتوب عليهم وإلا فدمرهم تدميرا يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين
وقل رب زدني علما.